Vierge et ascendant Vierge. Dans votre horoscope de ce mois d'octobre, comme d'habitude, c'est la balance qui domine jusqu'au 23. Et en ce qui vous concerne, la balance, c'est votre secteur d'argent. Mais pas que, hein, heureusement. Chaque secteur a plusieurs significations. Alors effectivement, pour vous, la balance, c'est une signification matérielle. Mais cela, c'est aussi celui de vos possessions, de ce que vous possédez déjà, vos économies, les objets, les biens immobiliers. Votre corps fait partie de vos possessions. Et avec la balance, il s'agit de lui faire du bien, de faire du bien à votre argent aussi, par exemple en le plaçant de manière à ce qu'il fasse des petits. Hein. Mais bon, prenez soin de vous pendant cette période balance. D'autant plus que le soleil va être en dissonance avec Mars et que il est possible que vous vous soyez fait mal quelque part, que vous ayez une petite douleur musculaire, quelque chose. Donc, encore une fois, prenez soin de vous. Plus vous vous occuperez de vos besoins et mieux vous vous sentirez. D'accord? Après le 23, le soleil occupera le scorpion. C'est un signe ami qui vous permet d'être un peu plus ouvert au monde extérieur, à votre entourage, peut-être à faire de nouvelles connaissances, à avoir de nouveaux clients. Vous pouvez étendre votre clientèle si jamais vous êtes dans le commerce. C'est également une bonne période pour vous exprimer, d'une manière ou d'une autre. Du côté des activités, vous avez droit à un Mars qui est extrêmement bien placé pour vos projets ou pour soutenir une cause ou pour être dans la solidarité, la fraternité. Bref, pour soutenir, rendre service, être là pour les autres, ce qui est quand même une des missions de votre signe, d'une certaine manière. Donc, cette présence de Mars en Cancer, vous le savez, Mars est une planète qui est quand même associée parfois aux disputes. Donc, il est possible aussi que vous ayez des petits accrochages avec certains amis parce que vous défendrez des principes, des idées. Et vous avez raison de le faire, tant pis si ça provoque des petits conflits. Si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à défendre, n'hésitez pas à le faire, parce que sinon vous vous en voudrez après à vous-même. Soyez droit dans vos bottes par rapport à ce que vous pensez, à vos idées et à vos opinions. Côté cœur, la Vénus du Scorpion est finalement en bon aspect avec vous. Elle est dans votre secteur 3, un secteur qui peut parler de flirt, qui peut parler de nouvelles connaissances, peut-être même de personnes que vous connaissez déjà, mais que vous voyez soudain sous un autre œil et avec qui vous avez envie de flirter, de vous amuser. C'est un secteur, le secteur 3, c'est un secteur où vraiment, avec Vénus, on s'amuse un petit peu, on rigole, on taquine, mais tout ça avec un but caché, parfois inconscient d'ailleurs, celui de plaire et de séduire. Après le 17, Vénus occupera le signe du Sagittaire, votre quatrième secteur. Vos plaisirs seront plutôt liés à la famille. Peut-être même qu'il y aura une réunion familiale de programmée. Il y a aussi le côté, le passé, qui est lié à ce signe, le Sagittaire. Donc, peut-être que vous pouvez raccrocher les wagons avec quelqu'un, revoir quelqu'un de votre passé
et éprouver du plaisir à revoir cette personne, sans pour autant oublier pourquoi vous vous êtes séparés. Hein. Vous savez, les gens ne changent pas et il ne faut surtout pas essayer de les changer d'ailleurs. Le 5, le 10, le 18 et le 24 seront les jours top de ce mois d'octobre. Pour votre argent d'abord, pour en faire quelque chose. Peut-être que vous avez, j'ai oublié de vous le dire, un achat important à faire. Donc, choisissez une de ces journées parce que vous serez content de votre achat. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé ou avec moi, que vous avez tous nos réseaux sociaux avec des petits posts tous les jours et que, évidemment, vous pouvez faire de belles rencontres sur notre application de dating qui s'appelle 12. Excellent mois à tous.